à fermer l'accès à Neptune. Et bien vous trouverez la sortie. Allez vers le centre médical. Je vous attendais, vite. De scélérat vous envoie. Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tazudania, comme vous préférez. Des années d'études. Étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. L'Adam nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Sécurité en cours. Accès momentanément restreint. Nous vous remercions pour votre patience. Si vous
utiliser le sas d'urgence, il vous faut la clé du docteur Steinmann. C'est lui le patrouilleur. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il pourrait remettre un vieux formidable. C'est pas son genre. Et pour être honnête, il m'arrive de me demander s'il lui reste une âme. Seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était sous soin. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous, jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain. N'oubliez pas, vous pouvez consulter ces machines si vous les touchez avec votre arme électrique. De nouveaux problèmes professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous, jadis, j'étais heureux dans le monde.
révélé l'être humain qui se cachait derrière le mur. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec la dent, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles. Ne serait-ce pas cruel de notre part de ne pas se désirer encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection. Que les médecins leur prodiguent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus qui rôdent dans les ruelles, à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. J'ai entendu... Ah ! J'avais 16 ans à peine en arrivant dans les camps. C'est là que j'ai découvert l'amour, l'idolâtre passion que j'avais pour la science. Le docteur nazi faisait des expériences. Parfois, il manquait de rigueur scientifique et faisait une erreur. Quand je lui faisais remarquer, il était furieux, mais me demandait ensuite « Comment tu peux savoir tout cela ?» Je répondais « Je le sais, c'est tout. » Alors il hurlait « Si tu sais, pourquoi me le dire ?» Et je lui disais « Si vous êtes décidé à poursuivre dans cette voie, au moins, faites-le correctement. » Ça fait mal. Dites-le !»